salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 A Way Out, toujours avec Dark Funeral 972. Ça va mon frérot, travailleur de bois de père en fils? Eh ben écoute, ça va, j'ai un petit peu de bois dans le nez mais tout va bien hein. Mais qu'il est lourd, qu'il est lourd. T'aimes pas son nez hein, vraiment jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu nous fais là, dis-moi? Là t'as l'air de nous faire une chaise. Bah à la base je voulais faire une ruche pour les petites abeilles pour qu'elles viennent butiner je devant souviens, ma c'est prison. Ce que t'avais dit la dernière fois. Mais là je vois un pied de chaise, ou alors un porte-manteau, mais je mettrais pied de chaise, tu vois. Bon, j'avoue, je voulais faire un godmiché pour enculer le mec derrière, oh, là, t'inquiète. Oh, mec, putain, il est dégueulasse. Allez, on est donc de retour en prison, on devait introduire la clé à molette dans notre cellule. Ça parle d'introduction. Ah bah tant que c'est dans la cellule, moi, je veux bien l'introduire. Hein. Attends, je vais lui parler, justement. Mec, cette machine, tu mets un doigt, c'est terminé. Hein. Ouais, c'est ça. C'est Marty McFly, hein. Retour vers le futur, ça part. Ouais, il m'a saoulé, gros, je me casse. Alors, on va parler à ce monsieur. Bonjour. Hey, oh là. Attention à ce que tu vas dire. Non mais il sort des années 80 en vrai. Oui. On dirait tu sais le mec dans Alien. Il a mis un doigt dans la machine, c'est Marty McFly. Watch it. C'est si dur d'avoir un outil. On te l'a peut-être volé. Ah putain, tu crois que je peux l'embrouiller là? Vas-y, dis-lui, on te l'a peut-être volé pour voir. No way, man. I'm 100% sure I gave it back to him yesterday. Stop lying. You know how things work around here. Yeah, I do. You get blamed for shit you didn't do. Ah mais je crois qu'en fait c'était sa clé. C'était ça. Attends, on lui a pas encore péta. Non parce que c'est. Non elle est là la clé à molette mec. Viens, ouais, viens faire diversion avec le gars, viens faire diversion Vas-y. Avec le gars. Eps. Hey. What do you want? J'ai pas le temps pour tes. What do I want? Yeah. What do you want? Qu'est-ce que je veux? Pas qu'est-ce que tu veux? La pire embrouille du monde. Mais je t'ai dit qu'est-ce que toi tu veux? Mais non, c'est toi qui viens me voir, tu veux quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Lâche-le, hein, oublie-le. Hein. Date, I need to know. Il a pété les plombs, il a quitté l'école. Fuck if I know, man. You lose track of that shit here. C'est bon. Attends, j'essaye. Parce qu'en fait, il y a un détecteur de métaux, ça va être un sacré problème. Ah ouais, j'avoue. Alors attends. Qu'est-ce qu'on peut faire? Attends, je sais. Ah, j'ai. Mais qu'est-ce que tu fais? Le gars il se dit je sais, il est en train de construire un radeau ce connard. J'enfonce. Mais gros, tu t'auras l'air malin quand tu vas devoir nager avec. Vas-y, tu sais quoi, tu me saoules, je continue de bosser aussi. Le pire c'est qu'il a enfoncé le clou hein. Bon par contre il enfonce plus rien là. Par contre en vrai oui c'est bien, normalement là je vais le couper le truc. Hop, je coupe pas du tout. Allez hop, on arrête immédiatement. Tu signes avec des convictions d'une loutre, tu vois. Je pense que tu dois faire diversion. Mais vas-y, je vois. Attends, est-ce que je peux rentrer? Hey. Ok, je vais devoir te le passer de l'autre côté. Ouais, sûrement. Attends, j'arrive, j'aide le frérot là quand même parce que bah je vois qu'il est en galère. Hop, vas-y. C'est bon. Fais-toi des petits. Fais-toi des petits kiffs, fais-toi. Le travail du bois, c'est toute une passion. Vas-y, attends, rejoins-moi de l'autre côté. Là. Y'a moyen de me rejoindre. Je peux déplacer ce truc. Ah, yes. Et là, la bouche d'aération qui était là-haut. Vas-y, go. J'y vais. Oh, yeah, yeah. Normalement, c'est à toi d'ouvrir. Attends. T'es prêt? Vas-y. Vas-y. Eh, hey, t'as la marchandise. Bah je l'ai mis dans mon pénis. Par contre je peux plus rentrer. Hein. Là, tu peux plus. Oui c'est ça, tu peux plus rentrer. Et c'est le mec mais attends je te rejoins, j'arrive. J'arrive. Yo, mec, ça va ou quoi? Écoute, ça va bien. Hop. Là, on rentre discret mais sans être trop discret. Tu m'as fermé la porte au nez. Oui, j'avoue, vas-y rejoins. Sans mauvais jeu de mots. Yo. Ouais ça va. T'imagines y'a un mec qui t'attend. Oh là quoi? Ah, c'était peut-être pour que tu sortes avec la clé à molette. Lui, il est vraiment sourd, aveugle. Il a tous les défauts du monde pour un gardien de prison. Mais maintenant, c'est lui, de toute façon. Bon, donc en gros, on avait deux manières. Soit de passer par le conduit, soit de désactiver le truc, tu vois. Ok. D'accord. Mmh. Bon, on a fait les deux. Alors, on a fait les deux, comme ça. Je sais pas si ça va... voilà. Les gars, nous, on vous fait des let's play. En fait, il y a plusieurs jeux dans un, nous on les fait tous, tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'histoire de... On prend ouais, c'est solution. Ça, toutes les on façons les de faire, on les fait, quoi. Nous, il n'y a pas aucun souci, les gars. Restez avec nous, il n'y a pas de problème, vous allez tout voir. That's gonna be a problem. Oh putain, attends. Oh, le gars... Non, mais vas-y pas. C'est toi qui a la clé. Attends. T'es prêt? Je lui mets un coup de tête balayette, hein. Personne va être prêt. Hein. Vas-y. You know the drill. Ah, peut-être que si tu vas en bas, je peux te la lâcher. Ouais, je pense, exactement. Ouais, voilà, ouais. Exactement. Ouais, va, bon, ouais. Va dehors, là. Là où j'ai la petite fenêtre, tu vois ou pas? Ouais. Bon, vas-y, attendez, j'ai senti un truc par ici, je reviens. Vas-y, en courant, parce que j'ai vu ton nez, là, déjà. Ah, c'est bon, t'es là. T'es 5 mètres derrière.
Oh putain, qu'est-ce qu'on est lourd, excellent. Qu'est-ce que j'adore. Allez, vas-y, viens. Tu connais la musique. Et vas-y. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Hey. Vas-y, palpe bien, palpe bien. Attends, il va pas nous ouvrir, ce connard. Bref. Bah attends, c'est peut-être tort. Ah. La prochaine fois, tout plus vite, ou que putain. Ils ont enfin réparé. Ouais, c'est vrai que la porte, elle fonctionnait pas la première fois quand on est arrivé. Moi, il a mis 600 ans à l'ouvrir. Oh, j'ai la même fixation pour mon mur. Putain, mec, c'est la merde. Vas-y, passe en premier, on va voir ce que... Attends, j'ai envie d'appeler. Allô. Et c'est moi qui décroche juste à côté, ouais. Hey boys, there's a problem. What is it? Let me show you, come on. Let me show you, it's over here. Vas-y, montre-leur, hein. Y a un sacré problème hein, là-haut. Hop, c'est bon, je suis passé. Putain, elle est où notre cellule avec ces conneries, là? Merde, faut que je leur dise un truc. There's some kind of a drug deal going on downstairs. Ouais, dit que ça deal, voilà, parce que la bagarre, Let's go. Ça aurait été la panique. La bagarre de mode de Ricard, quoi. Let's go. Ok, c'est bon, je vois ma cellule. Attends. Oh là, y'a un mec devant, y'a un mec devant, y'a un mec devant, y'a un mec devant ta cellule. Ben oui, mais il est devant ma cellule, je crois, non? Ouais, oui, fais gaffe. Ah non, c'est bon. Il s'en bat les couilles. Oh là, il a un petit... Shake down! Up against the bars, inmate! Oh. Aïe aïe aïe. Si je me bats, t'es prêt ou pas? Bah, je suis enfermé dans ma cellule donc comme ça. Mets-toi contre le mur. Ah oh, bah, j'ai pas le choix. Elle est, où ta clé molette? La garder sur toi, non? Ouais, dans ma poche. J'ai des grandes poches. Aide-moi! Ah, tu peux me donner? Aïe aïe aïe. Attends, ce que tu vas me donner à tienne. Vas-y, cache-le, 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 cache-le. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau gosse, mon fufu. Oh, yo, yo. T'as la maîtrise, putain. Bonjour, monsieur. Mettez votre nez en l'air, s'il vous plaît. Désolé, je peux pas. All right, arms up. Back up against the bars. Sir, it's clear. Ma petite fouille, le classique. Ah, puis ils sont méchants. Ah, ils sont pas trop là pour être sympas avec toi, mais Mais j'ai tué personne. Ouais, toi t'as fraudé, t'étais un fraudeur. Moi j'ai tué. Hey baby, you good? Wow. God, I miss you. I miss you too. Linda, I got a plan to get out of here. Good. What can I do? Don't worry. I got someone helping me in here. Who's that? His name is Vincent. Seems legit. Are you sure? I mean, we both thought we could trust Harvey. But this guy wants to take him down as much as I do. What? Why? I don't know yet, but I'll find out. Okay. So, how's Alex? Well, it's been 6 months. He misses his father. Shit. I miss him, Linda. Has he found out? No, no, listen. It's fine. He still thinks you're in Italy helping your uncle. Good, good. Any trouble from Harvey? Don't worry about that. He won't find us. And you're sure? Yeah. I got us a new place. We should be safe for now. That son of a bitch. Baby, baby, listen. We'll get through this. We just have to stay focused. Hey, why are you still waiting? Nobody's coming for you. Maybe she just missed her bus. I'll wait some more. No more visitors are coming in today. You want to make a phone call, or you want to go back to your cell? I'd like to make a phone call, sir. Let's go. Yeah? Carol, why aren't you here? Because I'm at home, expecting our baby. Please, we've talked about this. No, you've talked about this. I didn't have a say at all. You're in prison. I'm gonna be out soon. Listen to yourself, Vincent. This isn't who you are. Is this how you want your future child to remember you? No, but I need to take care of the Harvey situation. Carol, you know that he killed Gary. He was my family, my own brother. I know you miss him, but you can't bring him back. You're just gonna get yourself killed.
Please, you know I have to do this. I can't believe you, Vincent. Hello? Hello? You hear about the weather? There's a storm coming. I did. It's our window. We'll leave tonight. I'm ready. You got the wrench? Yeah. Just don't drop it, okay? Are you kidding me? You think I'll do this climb again? Let's hope we don't have to. There's nothing to hope for. It ain't happening. Ok. Ça cache, ouais. Ça cache pas mal de trucs tout ça. Hein. Donc, donner la clé, ok, donc ça c'est à toi de gérer. Vas-y, hein, fais ton côté. Ça cache pas mal de trucs. Sur Harvey, on en sait plus ou pas au final? Bah non, mais au moins on connaît les motivations de chacun. Voilà, oh, c'est ça, on connaît les motifs de chacun. Merci mon frérot. Vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, raconte-moi ta vie pendant que je dévisse. Eh bah écoute... Non, c'est bon, ça m'intéresse plus. Par contre, toi, hey, ma femme est enceinte, j'ai besoin de la retrouver. Je pense que vraiment, il y a moyen qu'on s'évade tout de suite. Ouais, je pense aussi. Tu vois, et que donc, parce que je sais qu'une bonne partie du jeu se déroule dehors. Et vu que là, c'est clairement le début, hein, on va pas se mentir. Ouais, donc là, ça y est, ah, là, voilà. on est parti. Est-ce que tu crois qu'on va faire une deuxième prison? Ah bah... Ah, je sais pas. Parce que ça... Non, ça me paraîtrait aussi trop court de sortir de prison, sachant que ça s'appelle A Way Out, tu vois. C'est Prison Break, 6 saisons. On verra, bah limite, hein, bah les couilles. Attends. On est où, là? Regarde. Ah, là, ici. Ramène ça, là. Attends, j'arrive. J'ai remarqué qu'il y a une grille d'aération de couleur jaunâtre par là-bas. J'arrive. Couleur jaune. Je vois. C'est pas normal. Hop, c'est bon, bien joué à moi. Bien joué à toi. Hop, bon, hop, que mon nez te bloque. Pardon, excusez-moi, hop. Oh là. Ok, je confirme. J'enlève. Tellement balèze. Ouais, moi, tu sais, tout ça, c'est mon entraînement. Au cours de ces 6 dernières années, j'ai appris à retirer des bouches d'aération. Vas-y, rejoins-moi. Ne pète pas, hein. J'ai l'odorat sensible. Il est lourd. Mec, on a fait 3 épisodes, ces 3 épisodes, il en prend plein le nez. Ok, vas-y, rentre ton ventre. Hein. Et rentre. Attends, ça rappelle qu'entre nous deux, c'est toi qui est plus large là. Ça, ah non, même mal, pas. Ça me fait mal ce que tu dis. Ah ouais, non, ton personnage. On va devoir se battre là. Ah, mais le truc, c'est vu qu'on compare à JDG, j'imagine un peu plus pâteau ton personnage. Si je veux, j'avance pas, mec. Ouais, j'avoue. Ça me bloque en plus. Y'a du monde. Hein. Tu peux me faire tomber. Fais gaffe, y'a du monde. Hein. Vas-y, mets-toi contre le mur. Ok. C'est un peu bizarre le système de mise à couvert. Oui, par contre, ouais, le système mise à couverture est un peu chelou. En gros, ah d'accord. Non, faut vraiment enculer le joystick vers l'avant, sinon il se décolle. Je peux y aller là, non? En vrai. Ok. Hey, yo. Get over here. Ouais, j'arrive, gros. On fracasse ça à deux? Tu déconnes. Il y a un orage. En même temps que... Ok, on 3. Attends, fais gaffe, il y a peut-être du QTE. Wait. On attend l'orage. Yes. Oh là là, les machines. Ok, sure. Dès qu'il y a un éclair, on y va. Les prisons. Attends. Dès que tu vois le flash, t'y vas. Impec. Excellent. Bien, j'ai pas pris mon kawaii. Hey Vincent, yeah. See that tower? Yeah. That's where we're heading.
All right. Oh, ça sent la douille, ça. Hey. Oh, ça sent tellement la douille. Ouais, ça sent le retour prison. Merde, il nous faut un KOA. On n'a pas fait tout ça pour rien, les gars. Non, non, non. Ah, lui, on peut le maîtriser. Non, 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 non. On peut la jouer sans l'agresser, je pense. Hein. Ah, go échelle. De toute façon, faudra en maîtriser. Hein. Je pense. Tu crois? Ouais, mais obligatoire, mon gars. Eh, hey, je suis un sanguin. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais ah c'est non, moi le meurtrier. Obligé. Mais oui, mais oui. Mais non, c'est moi le meurtrier. Toi, t'as fait une mais fraude. Non, c'est moi le meurtrier, mec. Non? Attends. C'est toi qui as fait que de la fraude, hein. Mais non, c'est moi le sanguin. Mais non. Oui, t'es le sanguin, mais moi j'ai tué. Toi, t'as juste fraudé. T'es pas un méchant, mec. Ça se voit sur ton nez. Je pense qu'il faut que t'avances parce que le truc c'est qu'il fait demi-tour exactement là, je crois. Je vais te dire des petites, attends. Attends, t'as vu la jauge là qui se remplit? On est mort, hein. Je vois pas comment non, on peut passer. La jauge elle se remplit pas. Vas-y, bombarde, avance, hein, avance. Hein. Non mais avant. Why? Mais non, mais j'ai oublié de pousser le joystick. Cours, hein, cours, hein. Cours, t'es long mort, hein. Ah, mais ah non, mais ça fait du bruit. C'est... Mais non, ça fait pas de bruit, gros. Bah, je cours, mais non mort. Bah oui, tu vois bien qu'on est pas cramé. GG, mec. Tu m'as, ah, putain, tu m'as bloqué, j'ai pas compris. Quand t'as crié, j'ai trop peur. Mais mec, tu m'as pas vu ou pas? J'étais en train de flotter en l'air. J'ai pas vu. Pour la discrétion, y'a mieux, quoi, tu vois, c'est chiant. Le mec il s'envole. Mais tu m'as pas dit que ça m'est volé. C'est beaucoup plus simple comme ça. Le mec il se fait chier avec une clé à molette. Oh là. Ça c'est pas du double vitrage, hein. Ça, ça sur des normes BA13, gros, ça passe pas, hein. Oublie pas qu'il y a... Hé, attends, moi je veux le tourner disque, hein. Et regarde. Attends. Moi je viens de loin. Je viens de loin. L'Asie. Ah d'accord, quand tu t'arrêtes, il dit... Oh, l'Asie. Mec, c'est... par contre, c'est stylé en vrai. Il y a plein de petits trucs comme ça. On se croirait dans les années 30, quoi. Oui, par contre... Je vais pas avoir... Regarde, la machine d'écrire. Et je suis stressé parce qu'on peut pas se lever, c'est relou. Oui. J'ai juste envie d'être debout. Bon, je vais pas te mentir que ça se passera en vrai, je serais plus que ventre à terre. Hein. Oh là, on dirait Metal Gear avec l'ascenseur là. Ok, vas-y, il est descendu. Hein. Je suppose que nous, on doit monter, non? Non, je pense qu'on doit descendre. Ouais, ok. Bah, je sais pas, on va aller à une tour. Les tours, c'est rarement au rez-de-chaussée, donc. Oh. Ouais, mais je pense pas qu'on puisse. Pourquoi c'est toi qui les sous-titres? Putain, je me fais carotte. Voilà! C'est-à-dire que tout va se passer ici. On descend encore? Attends, ou... Non, c'est là, je pense. Faut pas encore descendre, quoi. Je pense que c'est là. Ouais, c'est. Mec, l'infirmerie, tu te souviens? Ouais. Oh, on a passé le bon moment. Oh putain, quand il m'a couvert, tu m'as désaccouvert. Ok. So what the hell were we talking about? Carson! Shit. I already told you. No. Quelque chose me dit que j'aime faire une bêtise. What the hell are you talking about? You're all mixed up. Ok, je pense qu'il n'y a rien à faire, mec, hein. C'est de l'autre côté. Au pire, je peux pas démarrer la machine à café? Non. Vas-y, faut vraiment qu'on essaye de sortir sans mettre une personne à terre, ok? Vas-y, on va essayer. Full discretion. Mais attends, c'est pas pareil ici non plus. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, là, c'est là. Bah ouais. Watch out for the light. Attends, fais gaffe au projecteur et au connard. Ah ouais, putain. Bah là, regarde. Ah non, c'est bon, regarde. On se met là, on attend que le projecteur y passe. Ouais, mais... Ok, j'ai la sortie... Attends, j'ai l'escalier... Attends qu'il passe de l'autre côté. Ok, ah ouais, on a chacun une sortie, c'est bon. Attends. T'es où, là? Bah, je suis sous le projecteur, sous le feu. Moi là, il vient vers toi, le projecteur. Vas-y, avance. Fais gaffe, hein. Ouais, parce que à tout moment, une mauvaise manipulation, ça peut se passer très très vite. Shit! Better avoid. Non, t'as été cramé! T'es nul à chier en En fait, je pensais que je pouvais sauter par-dessus la barrière, donc j'ai perdu trop de temps. Tourner à bon. Non, mec, va à gauche. No joke, va à gauche. En fait, j'ai compris. Ouais, va tout à gauche. En fait, on a chacun notre possibilité de chemin. Vas-y, t'inquiète. Donc, quand j'y vais, toi t'y vas pas, parce que ça veut dire que ça se rapproche de toi. Ah, mais non, je suis obligé de revenir vers toi là, j'ai pas de chemin non, par si, là. Non, descends. Ah, d'accord. C'est pour ça que je suis venu vers toi viens en fait. Vers moi. Attends. Vas-y, mets-toi derrière moi calmement.
Mon copain, il est un peu limité. Pourtant, j'ai du flair d'habitude. Ok. Allez, go. C'est bon. Oh là là, fallait sprinter hein. Mec, tu m'as fait peur hein. Attends, attends, moi je vais passer par la droite, passe par la gauche. Ouh, j'ai failli me refaire spot. Vas-y, avance et t'avances, commando style. Ok. Attention hein. Vas-y à ton tour. Comme ça les gens ils auront pas besoin de déployer leur Sharingan pour suivre les deux écrans. J'en suis à part. Ouais, c'est ça, c'est bien en vrai hein, vraiment. Si seulement pour les let's play on pouvait faire tout le temps ça. Attends, hop, j'ai failli faire une bêtise, chef. Toi, t'as pas besoin de te faire chier au montage à rajouter les vues. Ah, mais lui, c'est obligé qu'il va falloir l'assommer, gros. Non, hors de question. Je refuse qu'on assomme un seul soldat. J'ai déjà fait assez de meurtres comme ça dans ma vie. Ok. On va lui mettre ce qu'il mérite, tu crois? Ah, bah, on va devoir lui mettre ce qu'il mérite. Si non, mais on le tue pas. Ouais, voilà. Si t'as le choix, ne le tue pas, quoi. Okay. Attends, non, est-ce que t'as. On a... Attends, on rentre dans le truc, rentre dans le truc. Enfin, son boulot c'est d'être ici comme un. Je suis obligé de passer. Bah, héros, RT, je mets ce qu'il mérite. Quoi? Ouais, genre, tu mets pas à terre, faut faire une petite tutelle et tout. Ouais. Ok, Death. Je t'avoue que j'étais pas prêt. Moi non plus, j'étais pas prêt, colonel. Ok, juste vas-y, slide. Mais moi, la vérité, je prends nos chemises. Non, prends un cintre. Quoi que nos bah tiens MDR, un cintre. Je t'ai dit prends un cintre pour déconner, on prend vraiment un cintre. Non mais un cintre ça tiendra. Ouais je sais pas hein. Ah bah mec c'est avec... du... À moins que ce soit de la cajou je vois pas hein. Mec on va vraiment partir là. Je rigolais pour le cintre en plus. Ah mec... oui mais tu le mets du côté du bois. Moi je crois qu'il allait mettre le côté d'un... en alu. Ah bah non mais non. Gros ça fait des étincelles sur toute la prison frère. Voilà, bon, c'était évident, il fallait que ça arrive à moi, putain. On est cramé. Hein. Fufu, m'abandonne pas. Hein. Oh, pardon, Fémi, on me tire dessus. Esquive les balles, t'as vu Matrix? Ouais. Libère mon esprit. J'adore Neo. Ils entendent sur moi qui tire. Oh, ils savent pas viser, on s'en fout. C'est pas le plus important. Mais quelle envie, chef! Entre les deux! Il faut faire des tirs de dissuasion! Ah là, je crois que t'as dissuadé pas trop. Ah vache, cavale! Oh, ça va que les allées sont grandes. Vas-y, viens m'aider! Oh, on est les plus forts! Vas-y, bombarde, bombarde! Ok, on s'échappe, incroyable! Dang, tu l'as, gros, mais cavale! Voilà, il a pris. Je vais sur la gauche. Cours, bordel, Johnny, cours. On dirait la prison quand il court. Cours, Léo. Non, mais t'es vraiment ridicule. Toi, t'es toujours ridicule. Ta vie est ridicule. Mec, on a réussi. J'ai cassé le nez. Ah, on s'est échappé. C'est pas le temps. Ça fait bizarre parce qu'il y a tellement de potentiel dans la prison, genre à faire en vrai. Ouais. On a été les meilleurs, c'est tout. Hey, I've been meaning to ask you something. What's that? Back in the prison, when we climbed that shaft, you know the back-to-back thing? Yeah. What about it? Did you really do that when you were a kid? No. What? I saw it in a comic book once, when I was a kid. Tell me you're joking. No. I'm just glad it worked. Oh my god. I can't fucking believe you talked me into it. Me neither. Here. Come on. There. All right. On va s'arrêter là, mon fufu. Ouais. On va s'arrêter là. Alors pour le moment, il y a un truc un tout petit peu dommage. Je trouve que c'est encore un peu trop dirigiste. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et on n'avait pas beaucoup de possibilités dans la prison finalement. Donc, on va voir ce que ça a donné par la suite. Quoi qu'il arrive, j'ai confiance. Hein, clairement, je sais encore une fois qu'on est au début du jeu.
je l'espère en tout cas. Ouais. Mais on va voir ce que ça a donné. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est. Mais je pense que c'est une fois dehors que là, on va voir si c'est dirigiste de ouf ou pas. Parce que dans une prison, tu me diras, on n'a pas grand chose à faire à part faire l'appel et tout. Après, c'est bizarre parce que c'est. Ouais, mais tu vois, c'est. Ils auraient pu faire encore beaucoup plus de choses. Tu vois ce que je veux dire? La prison est grande. Voilà. Et là, c'est vrai que. Ça, c'est pas. On a fait la cantine, après... on a fait les ateliers un petit peu dehors, mais. Plus, après c'est vrai que A Way Out, quand tu t'échappes de prison, c'est pas tant t'échapper de prison, je pense, la difficulté, je pense, c'est vraiment essayer de rester libre. On va voir ce que ça a donné. En tout cas, on se pose beaucoup de questions, on verra ce que ça donne. Nous sommes sortis de prison. Et d'ailleurs, ça me fait rire. 4. Ça me fait rire, d'ailleurs, tu sais, il dit qu'il a vu ça dans un comics. Et quand on l'a fait, j'ai dit, bah, on n'a pas vu ça dans Cusco. C'est dans le dessin animé Cusco, ils font ça. Ouais. Pour récupérer la potion, pour transformer l'empereur. Je pense pas qu'il... Peut-être. Parce que moi, c'est dans Cusco, moi, c'est... ils font ça pour récupérer une potion pour justement sauver le lama pour qu'il devienne un humain en fait. D'accord. Bah, à voir. Ou c'est peut-être dans un autre comics. Ou dans un autre comics, si, mais si, ouais, mais si c'est vous... marrant. Au pire, dites-le en commentaire hein, si vous le savez. Hein. Comme ça, on en saura plus et on pourra voir ça. N'oubliez pas, j'ai mis le commentaire. Je vous dis à très vite pour l'épisode 4. Cet épisode 3, bah, on a réussi à s'évader. C'est plutôt cool. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao. À plus dans le bus.